Je veux juste éviter qu'il attaque Volk, même si je pense pas qu'il puisse réellement lui infliger de dégâts. Ouais, c'est bon. Et lui, bah écoutez, on va être obligé d'attendre qu'il ait fini d'utiliser bizarre. Il n'y aurait pas Shinnon, je foncerai dans la mêlée, mais j'ai pas envie de prendre de risques vis-à-vis de Shinnon. Et ici, il n'y a personne, bon tant pis. On va te mettre toi, d'ailleurs toi t'as perdu des PV, donc c'est parfait, on va chanter à côté de toi et on pourra montrer Céleste au prochain tour. Et je vais peut-être repartir sur les fiches parce que j'en ai encore deux à faire. Ouais, ça me paraît être une bonne idée, bon. Donc le suivant est Janaf, au final on va finir par celui que j'utilise, ce qui est plutôt ironique mais c'est pas très grave. Janaf et Ulquia en fait sont tous les deux des corbeaux, Janaf arrive avec un niveau légèrement supérieur mais c'est pas très très important. Ah parfait, on va pouvoir s'occuper de Shinnon et être tranquille avec ça. À l'inverse d'Ulki cependant, Janaf arrive avec 16 sur 20 de transformation, ça suffit qu'il va se transformer pile au début du combat. Là où Ulki tend à arriver plutôt avec je crois que 5, donc il va prendre pas mal de tours avant de pouvoir enfin se transformer, ça va vous voir ce que vous préférez. Hey, j'ai toujours su que ce moment arriverait, Ike. Shinnon, en garde. Ouais. Raté. Esquive. Aïe, bon, tant pis. Ça aurait pu être pire. Donc bon, il possède, enfin chacun d'entre eux en fait possède une technique bien spécifique et relativement unique à eux, qui est acuité et je crois que c'est vigilance, ouais c'est vigilance. Les deux coûtent 0, ce qui est plutôt énorme, et c'est vraiment très intéressant. Mais je vais suspendre la fiche très temporairement parce que, voilà, bon là on a Céleste qui s'active, qui va régénérer Néphénie légèrement, très légèrement. Et maintenant on va pouvoir agir, donc déjà... Pourquoi est-ce que ce type est dangereux de quoi que ce soit? Non. Mais en fait, je suis inquiet de lui, mais je sais pas, il a quoi? Il a 10 de portée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, normalement, je peux mettre Volk. Après, Volk a quoi? Il a 7 de chance, le type a genre 4 de critique. Il a 17 de puissance. Il peut pas tuer Volk. Donc on va lui piquer son cure, parce que mine de rien, c'est quand même un objet et ça me permet de le récupérer. Et pour recruter donc Shinnon, c'est pour ça que j'interromps la fiche d'ulti d'embarrement, vous devez lui parler avec Rolf. Shinnon? Rolf! Shinnon, c'est toi! Regarde-toi, tu as tellement grandi, tu ressembles à un archer. Vraiment? Tu avais un énorme potentiel. C'est ce que je te répétais toujours, tu surpasseras tes deux frères si tu t'entraînes comme il le faut. J'avais un excellent professeur. En effet, tu n'as rien dit à personne, n'est-ce pas? Non, Motus, bouche cousue. J'ai tenu ma promesse. En fait, Oscar se doute de que c'est, tout le monde le sait. Sauf Ike parce qu'il s'en fiche. Boyd parce qu'il essaye pas de réfléchir. Ou plutôt parce qu'il s'en fiche aussi, je pense. Mais de manière générale, je veux dire, vous avez un archer dans toute l'équipe. Et Rolf se met à expliquer qu'il est devenu archer tout seul. Pendant que Boyd insiste qu'il faut un professeur. Normalement, vous avez pas besoin d'aller loin pour juger que c'est Shinnon qui lui a appris. C'est bien. Shinnon, qu'y a-t-il? Es-tu dans le camp adverse? Oui. Arrête ça, je t'ai appris à faire face à ce genre de choses, n'aurais-tu oublié? Mais ce n'est pas juste. Après ton arc, il est temps que l'élève affronte le maître. Ou pas. Une fois que vous avez fait cette conversation avec Shinnon, vous voulez lui tabasser la tronche avec Ike. Wep. Oui! Oui! Ah, malédiction. Ne bouge pas ou la plaie va s'élargir. Qu'est-ce que tu mijotes? Vas-y, n'attends plus, finis-moi. Ah, idiot. Si vous avez eu cette conversation, c'est que vous l'avez recruté. Il sera disponible à la fin du chapitre, mais ouais. C'est très bizarre, je sais. L'arc-héro qu'on va envoyer dans un coin, et toi, tu vas... Tu peux même pas le tuer. Sauf si elle critique, qui m'étonnerait. Je dois admettre que je suis plutôt déçu, et ça m'inquiète un peu vis-à-vis de Volk. What the flip? Donc ouais, ça m'ennuie un petit peu vis-à-vis de Volk, parce que si ce, quoi que ce type a quoi, 13, 10, qui te laisse à 15, toi t'as quoi, t'as 17, tu fais 14, donc normalement Volk survit à 1 PV s'il se fait toucher par les deux attaques magiques. Si. Donc on va espérer que ça n'arrivera pas, mais on peut pas vraiment faire autrement. Donc, pour eux, maintenant qu'on a récupéré Shinnon, pour revenir sur Janaf. Donc, acuité est une technique qui est réservée à Janaf, de même que vigilance est réservée à Ulki. Acuité augmente de 20% la technique de Janaf.
Ce qui est plutôt pas mal quand on y pense. Hein. Je veux dire, c'est quand même tout colossal. Mais je trouve que c'est pas le plus utile parce que, ouais, 20% de technique, c'est sympathique. Enfin, de précision, j'entends, je veux dire. C'est sympa. Parfait, il attaque même pas Volk. Il attaque Miss qui prend 0. Et qu'il le tue en passant. Tu vois, peut-être, ah, bah oui, Volk aussi le tuait, de toute façon. Donc, en fait, j'apprécie qu'il ait tapé Mist. Qui m'a fait un bon niveau, d'ailleurs. Je crois qu'il a gagné tout, sauf de la... résistance. Bon, bref, enfin, bon. Mais, Acuité, donc, je suppose que c'est peut-être l'un des personnages qui bénéficiera le plus d'Aléa, parce que, ben, il y perd moins que si jamais vous êtes en train de... Ouais, ça, il a gagné de la dev, je crois. Waouh. Et Ike, ta sœur gagne de la dev, tu peux pas faire pareil. Je suppose que non. Donc ouais, donc en termes... Donc acuité, sympathique, je préfère vigilance, qui est côté Ulki. Cependant, je trouve que des deux, c'est probablement... Janaf le plus utilisable des deux. Mais bon, ça dépend aussi de comment vous voyez les choses, je suppose. C'est jamais aussi simple que ça. En termes de statistiques, donc il possède d'assez haut PV, une plutôt bonne force, un peu inférieure à celle d'Ulki, me semble. Ouais, un petit peu. Une magie, peu importe, les lagus ne peuvent pas utiliser la magie, il a une plutôt bonne technique, même si inférieure à celle... non, elle est légèrement supérieure à celle d'Ulki, mais c'est pas important, il a 20% de pression de toute façon. Une bien meilleure vitesse que celle d'Ulki. Une chance très supérieure, mais une défense et une résistance inférieure. Non, sa résistance est supérieure, pardon, mais sa défense est... enfin, sa défense est inférieure, quoi, de pas mal de points, quand même. Cependant, il est quand même beaucoup plus rapide, etc. Et c'est peut-être ce qui le rend un tout petit peu plus utilisable au début. Mais sur long terme, je pense que les deux potentiellement se valent. Avec une différence. La différence, c'est que ce corbeau va décéder dans d'atroces souffrances. Yup. Bref. Mais peu importe. En termes de croissance, ben, plutôt au PV. Un petit éther dans sa face, parce qu'après tout, c'était pas assez. Une croissance en force qui est sympathique, de même que sa chance. Sa défense et sa résistance sont assez faibles, mais sa vitesse et sa technique sont très élevées. Je suppose que c'est potentiellement le plus utilisable, mais sur coup, j'ai décidé de me baser davantage sur Ulki, qui est son équivalent. Donc lui commence à 5 sur 20 en termes de jauge, et il arrive au niveau 7 au lieu du 8. Mais c'est pas comme si c'était une énorme différence non plus. Pas eu de renfort en bas, j'ai dû griller les renforts. Bon, bah c'est pas grave. Mais ouais, il arrive avec Vigilance qui, lui, augmente de 20% l'esquive. Ce qui est, selon moi, bien meilleur, puisque 20% d'esquive, c'est quelque chose qu'on a plus de mal à récupérer. La précision, ça s'augmente avec les armes, et normalement, les corbeaux, ils ont une arme à haute précision, avec leur bec. Je sais plus combien c'est, mais ça doit être du 80 ou du... Critique! Il y a une autre animation pour son critique aussi. C'est pas mal, on aurait pu l'avoir, en plus. Ouais, il sert le point, il fait une espèce d'acrobatie dans les airs, c'est intéressant. Tac, tac, et d'autres corbeaux. Alors, je dois absolument me méfier de ce type, mais non, je serais trop long. Oh, plus juste pour voler juste un tome devant, on va dire qu'on s'en fiche un peu. Tu vas liquider ce soldat, tu vas liquider le mec au blizzard. Ouais. Toi, le problème, c'est que t'as pas assez de mouvement. Bah, en fait, je m'inquiète de Ayaka Yakesh, en fait. Parce que s'il se ramène, je serai obligé de le tuer. Et après, j'ai commencé à m'inquiéter qu'il y ait trop de... enfin, que j'aurai pas le temps de récupérer les coffres. En fait, ou alors, je serai obligé de le tanker temporairement. On verra, bref. Donc, Vigilance est sur moi bien meilleur. Et ça permet de compenser, en fait, sa vitesse qui est un peu plus faible que celle de Janaf. Mais bon. En ce qui concerne ses statistiques, donc il a un peu plus de PV, plus de défense, un tout petit peu plus de technique et de force, mais il tend à avoir un peu moins de vitesse, bien moins de chance et un tout petit peu moins de résistance. Ok, c'est de la défense. Donc, je sais pas, il est un petit peu plus équilibré que Janaf, je suppose. Il tend à avoir cependant... alors moi je l'ai pris surtout parce que je trouvais que l'esquive était meilleure. Que la précision. Et je me disais que si je voulais remplacer Gilles, prendre un personnage qui avait plus de défense était un peu plus logique, entre guillemets, je sais pas. Mais bon. Donc, en termes de croissance, je trouve qu'elles sont... T'as réussi à gagner de la force avec genre 5%. Sérieusement. Raisan. Bon, bref.
Je sais pas, en termes de croissance, donc il a un peu plus de PV, de force et de force que Janaf. Sa technique et sa vitesse sont un peu inférieures, mais elles restent plus élevées que la moyenne. Et il est relativement équilibré pour ce qui est de la défense, hein, 35 en défense, un peu mieux que Janaf, il me semble qu'il y a 30, ouais. Il y a un peu moins de chance, mais un peu plus de défense, à l'essence c'est la même. Je sais pas, ils sont très très similaires en vérité, hein. Ils sont extrêmement, ils sont assez interchangeables. Mais je trouve que Hulky est légèrement meilleur parce qu'il a plus de... Il a de l'esquive en bonus, et sa vitesse normalement devrait quand même être relativement bonne à la fin. Donc, je sais pas, je pense que Hulky peut être un excellent tank, mais ça peut aussi venir que de moi. Ah, donc toi tu vas obtenir Kuro. Tant pis, je suppose que je vais être obligé de laisser Rolf, parce que je veux pas avancer ni l'un ni l'autre. Toi, par contre, tu vas soigner... Oh, quoique, est-ce que c'est nécessaire? Non, c'est pas nécessaire. Bref. Donc voilà, c'est tout pour les personnages. Donc j'ai essayé d'utiliser Hulky, simplement parce que c'est selon moi... Ah bah non, il va se déplacer, j'ai oublié. Pas grave. Parce que je trouve que c'est le plus... c'est le plus intéressant des deux. Ah, c'est peut-être le moins utilisable dès le départ, mais en fait, ils sont tous les deux très très bons, j'aurais dit. Ah, je suis pas un grand fan des Laguses, mais on va voir ce qu'ils valent sur le long terme. Parce que je sais pas, j'ai jamais vraiment utilisé de Laguses aussi, donc c'est un peu ma faute aussi. Et là, nous avons Silence qui permet, en gros, de vous le donner par exemple à Mist. Et si elle tousse, Kayashe ne peut pas attaquer du tout. Et vous avez gagné presque automatiquement. Ton arme a 90 de précision, donc ouais, vous avez zéro raison de vouloir de la technique plus que ça. Cependant, Aléa peut être intéressant, je suppose, pour un personnage comme... Janaf. Ouais, tu vas l'attaquer, tiens, si tu as un coup critique, c'est pas grave, mais au moins, ça monte un peu ton... ça te donne un peu d'expérience. Donc, voilà. En fait, là, l'idée, c'est que maintenant que les coffres sont ouverts, je vais faire battre en retraite Volk et Mist et Rolf. Et je pourrais laisser Ike tabasser. Oh, ça, c'est pas mal, en fait. Parce que je voulais essayer de piquer le son bâton de soin, donc en fait c'est plutôt pas mal. Bah Rolf pendant ce temps esquive comme un malade, mais après il a une très haute vitesse, je pense qu'il va la maxer assez vite celle-ci. Il est pas supposé la maxer aussi vite, mais en général il a pas de problème à atteindre. Regardez, 25, 24, 15, 15, 11 et 19 de force, en fait il tourne très très bien. C'est juste que sa force a quand même eu besoin d'un petit peu d'assistance pour monter, et peu importe. Volk tu dégages, Mist tu pseudo dégages. Rolf, tu dégages. Et si on les regarde, ouais, on va juste caser Ike pile devant Rolf. Toi, tu peux aller jusqu'où? Ouais, on va mettre Ike ici. Normalement, les autres peuvent pas l'atteindre, peuvent pas atteindre non plus. Et ça me permettra de piquer l'objet du soigneur. Si je peux choper les 3 corbeaux, ça serait pas mal aussi. Il rapporte normalement une certaine quantité d'expérience. Et je vais bientôt retirer les techniques. Enfin, les techniques. Les animations pour Ike, je pense qu'on les a assez vues. Mais ouais, bon, chapitre un peu long, c'est vrai qu'il y a eu un début un peu long aussi. Je veux dire, j'ai mis 40 minutes pour le tout début. Le chapitre en lui-même a pas pris si longtemps que ça. Waouh, je pensais que t'arriverais quand même à le tuer, mais c'est pas très grave de toute façon. Lui, tu peux le tuer par contre. Parce que l'autre, en fait, je peux l'achever avec Mist. Marté. Non. Bon bah ça va être un petit peu bizarre. Les corbeaux on s'en fiche, sont encore loin. Ça me laisse encore un tour avant d'avoir les gérés. Toi tu te transformes parce que on s'en fiche. Alors Mist. Non déjà Volk. Bon déjà corbeau. Ce corbeau peut atteindre ce type, donc il faut que je te vole d'ici. Ah oui mais mince, t'as plus de place. Ah, c'est pas pratique, mais c'est pas très grave. Ah oui, mais toi, t'as pas de place non plus. Toi non plus. Toi non plus. Toi non plus. Bah si, t'as pas de place. Bah écoutez, qu'est-ce que je vous dis. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est que là, pour le moment, j'ai juste échangé un truc à Mist. Parce que Mist, je voudrais vraiment qu'elle puisse quand même tabasser un de ses gus. J'essaierai aussi de lui laisser le bishop, l'évêque. Je veux dire, elle peut les trucider tranquillement, donc c'est plutôt pas mal. Toi, tu vas tabasser ce type à coup d'épée.
Bah, l'idée c'est quand même de gagner un peu d'expérience, donc bon. Et il faut que je te retire tes animations parce qu'on les a assez vues. Ether est sympa, mais c'est bon ça. On y a eu droit 2 ou 3 fois déjà. Donc option. Et on va retirer les animations. On va les retirer sur toi, de toi et de toi. C'est bon. Volt, je pourrais les laisser en mode. De toute façon, il attaque une fois tous les 10 ans. Enfin, il a dû attaquer 2. Oh zut, c'est pas avancé. Bah, j'aurais préféré qu'il essaye d'attaquer Mist ou Volk. Parce que ça m'aurait facilité la récupération de son stuff. Mais bon. C'est pas grave. Donc c'est Ike qui va bien entendu tous les trucider jusqu'au dernier. Je pense que je vais juste pas agir plus que ça. Je crois pas que les renforts des Lagus soient si nombreux que ça. Et yay, rang A. Alors c'est vrai que j'avais donné miracle à Ike aussi. Il me semble que j'avais expliqué que c'était en mode... comme ça, ça remplit. C'est littéralement ça en fait, hein. J'ai littéralement zéro raison particulière de vouloir donner à Ike Miracle. J'ai pas l'intention de le voir mourir. Il est lourd cet évêque, hein. Bon bref, c'est pas grave. Pourquoi tu t'es mis là? Ah, peut-être en mode je suis à côté de l'évêque, donc comme ça, je sais pas, c'est peut-être pour m'encercler. Non, je biche pas, c'est pas important. Il est mort. Il est mort et Ike gagne son niveau supérieur. Tu peux essayer d'en faire un assez sympa. Il me semble que... t'en as pas fait de très 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 beau. Bon, ok, 4 points. J'aimerais bien qu'il gagne autant de défense qu'il ne gagne de résistance, mais bah, il me semble qu'il part de 0, il a gagné 2 points d'aigle, il a gagné 11 de résistance depuis le début du jeu. Ah, son épée cassée. Il a gagné 11 de résistance depuis le début du jeu, alors que la défense, je pense que c'est... il en avait 5 à la base, il en a gagné 3 à la promotion. Donc il en a gagné 8, il a gagné beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de résistance que de défense, hein, de très très loin. Mais bon. Voilà. On va s'occuper de... ah bah ça... ah maintenant t'attaques Mist. Crétin. Ah, est-ce que c'est parce que Ike a gagné encore de la résistance et tu lui fais 0? Ah bah oui, 13. 13, pour ça. Pff, méchant. Merci. D'ailleurs, je me suis débarrassé d'un bâton de soin qui était quasi cassé de toute façon. Et à la place, j'ai eu droit à un truc bien meilleur. Donc, ouais. Raté. De toute façon, tu peux lui faire 0 dégâts. Un jour, tu passeras au niveau supérieur. Et on va te bloquer. Comme ça, je pense que tu vas attaquer Rolf et tu paieras pour ton insolence. De toute façon c'est décimé, oui il faut juste tuer tout le monde. Donc on va juste attirer Kayashé et on va le tuer, ce sera fini hein. Qu'on en finisse avec ce chapitre qui dure 10 ans. Donc toi, tu attaques Rolf et tu le rates parce que t'es nul, je veux dire parce que Rolf a une excellente vitesse. Et Kayashé attaque. Investis, votre bonne fortune vous aurait permis d'arriver jusqu'ici. Mais pour franchir sur ces murs, il faudra bien plus que de la chance. Donc là il a activé Nil. Et il touche Ike avec d'assez bons dégâts quand même. Ouais, non, Ike le décime complètement. J'allais dire, je serais peut-être obligé de soigner Ike potentiellement. Mais je le soignerai que s'il rate. Oh, ça va quand même. 92. Il a une bonne technique quand même. Mais il n'y a aucune chance de pouvoir tuer Ike. Pas moyen d'avoir un éther contre lui, cependant. Les critiques restent possibles, hein, y a aucun souci pour ça. Il prend quand même très cher, Ike, considérant que ben, le mec est... enfin, il a quand même une très haute résistance, le Ike, mais bon. Niveau supérieur, niveau 7. Bien, bien, très très bien. On finira par faire quelque chose de toi, Ike. Nah, il tourne bien, il tourne bien. C'est juste sa défense qui m'en dit son maximum, mais il y a 23, il me semble. Ce qui est pas énorme. Mais vous voudriez qu'il ait quand même genre 20, 21 à un moment ou à un autre. Et là, actuellement, bah, il monte assez bien quand même, mais il y est pas encore arrivé. Cependant, sa dénigre, sa vitesse sont très élevées, sa chance est plutôt bonne, sa résistance est extrêmement élevée par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Sa magie, on s'en fiche, sa force est bonne, ses pays sont bons, ouais. Allez, hop. Paf. Et Mist a failli gagner un niveau. Mince, j'ai échoué. C'était aussi une occasion en or pour moi de mettre un pied dans ce monde. Il me suffisait simplement de tuer tous mes anciens alliés. Shinon. Ah, et je n'arrive pas à croire que celui qui m'a battu est le petit Ike. On dirait que je me fais vieux.
Je suis prêt, mon garçon. Vas-y, termine ce que tu as commencé. Reviens dans le groupe. Pas question. Tu m'as toujours détesté. C'est vrai, et c'est encore le cas aujourd'hui. Tu disais que j'étais faible et que sans mon père, je n'étais rien. C'est ce que tu me répétais, hein. C'est pour ça que tu me détestais. Ça ressemble à l'opinion que j'ai de toi. Tu n'as pas encore compris, je viens de te battre. Tes raisons ne sont plus justifiées. Pas. Non content de m'avoir vaincu, tu cherches maintenant à me casser les oreilles. Pour la dernière fois, reviens dans le groupe. Je te promets d'apprécier des compétences à leur juste valeur. Je veux juste que tu sois des nôtres. Battons-nous encore. Si je gagne, ce sera moi le commandant, d'accord? Si je gagne, tu te plieras à ma volonté, d'accord? Ne t'en fais pas, mon garçon, ça ne durera pas longtemps. Allons-y. Ouch! Ah! Ah! Général, nous avons pris le contrôle de tout le secteur. Ce qu'il reste des troupes de Dain est en train de se retirer. Général? Oh, très bien, merci. Permettez-moi de disposer, général. Général, hein, étrange. Tu sais que tu as toujours l'air tendu. Nazir, que se passe-t-il? Depuis quelque temps, je te trouve bien discret. J'étais très occupé. Pour quitter Baignon, j'ai dû vendre mon bateau et renvoyer mon équipage. J'avais un tas de choses à régler. Vraiment? Eh, on dirait que tu as tout de même été mêlé au combat. Ça ne te dérange pas, je sais que tu es déjà accablé de travail. Ce n'est pas pour rien que j'ai rejoint l'armée de Crimea. Personnellement, je gagne beaucoup en voyageant avec toi, alors cesse de t'inquiéter. Si tu le dis, tu es quelqu'un de très cultivé, nous sommes contents de t'avoir avec nous. Ah, je suis moi aussi content d'être avec vous. Bien, j'ai de bonnes nouvelles. De quoi s'agit-il? Les autorités d'Ongalia ont décidé d'intervenir. Jusqu'à présent, elles ont opté pour une attitude défensive, se contenter d'attendre. Mais on dirait que cette impasse infernale finit par les exaspérer. Ah, et la victoire d'aujourd'hui a été décisive. Même si, tu viens tout juste de la voir, donc comment est-ce que les gens de Galia sont au courant, je n'en sais rien. Parce que même s'ils ont des espions, il faut quand même que l'espion ait le temps d'aller jusqu'à Galia pour les informer, qu'ils fassent leur réunion du conseil, et qu'ils réagissent, quoi. Donc, ah, sont vachement rapides. Ils ont dû avoir internet, genre ça, ils ont eu un petit Twitter, sur leur téléphone portable, et ils se sont dit, ah, le mec, on sort de la forêt, il tente de tapasser du Dain. Cette nouvelle vient de le retour du continent et ainsi donné aux autres pays le courage de se poser à Dain. Non mais c'est bon, Dain, c'est qu'un petit pays, c'est pas comme s'il opprimait le reste du monde. Avec Crimea comme point de ralliement, Galia va peut-être entrer en guerre. Tu dois juste continuer de gagner. Si tu peux le faire, la route s'ouvrira juste devant toi. Nos faits et gestes marqueront l'histoire pour être oubliés dans quelques décennies. Pouvons-nous réellement vaincre Dain? Bah oui, c'est qu'un pays normal, quoi, quand même. Est-ce que je peux y arriver, moi? Utilise ce qu'on t'a donné et de grandes choses se produiront. Tout repose sur toi, Ike. Actuellement, seuls quelques membres du peuple oiseau te soutiennent. C'est parce que tu étais résolu à gagner en confiance que tu y es parvenu. C'est uniquement grâce à mon père. C'est lui qui m'a appris à tolérer et respecter mon prochain. Tu traites les autres avec respect et te suivront de leur propre chef. C'est ce qu'il m'a appris. C'est un homme extraordinaire, n'est-ce pas? Lorsque j'étais plus jeune, mon plus grand désir était de devenir aussi fort que mon frère. Que mon père, pardon. J'ai ensuite voulu le surpasser. Aujourd'hui, je sais que c'est impossible. Si, si, c'est possible. Mais plus tard. Comment? Ils ont passé la frontière. Tout le monde a été vaincu, pas seulement les troupes de Dain, mais notre brigade également. Coupé tel du blé dans un champ. Eh bien, je suis très impressionné, après tout, ce sont des mercenaires. Il n'y a rien d'autre à faire. Envoie un message aux dirigeants de Dain et dis-leur que l'ennemi est plus fort que prévu. À vos ordres. Attends, un instant. Oui. Envoie plutôt un humain de Dain à ta place, peu importe lequel, garde-toi d'utiliser l'un de nos hommes. Mais un humain sans elle aura besoin d'une éternité pour... C'est le général Petrine qui commande le front suivant. Elle est particulièrement caractérielle, mais vas-y si tu veux. Dis-lui que les corbeaux de Kilvas ont été vaincus et te guérira comme un poulet et gardera tes os en souvenir. Ah, j'ai compris, j'ai envoyé un humain. On voit qu'au moins il essaye d'éviter des pertes inutiles dans ses troupes. Qui va là? Soren, que fais-tu? Qu'est-ce que tu mijotes? Pardon? J'ignore de quoi tu parles. Ne joue pas au plus malin avec moi. L'adhésion de Galia de se joindre à cette guerre se base sur les récentes informations qu'elle a reçues, non? Tu avais ta langue? Bien, je vais te dire pourquoi tu es ici. Tu as mené la princesse de Crimea à Bayon pour voir si elle pouvait obtenir de l'aide pour sa cause. Et qu'elle obtienne de l'essence pas, tu voulais voir si elle était digne d'obtenir l'aide des Laguses. Ai-je raison? Puisque tu m'as démasqué, pourquoi n'as-tu pas mis les autres au courant? Parce que tes actions ont été bénéfiques pour la princesse de Crimea. Je t'ai laissé faire car tes actions ne menaçaient pas la vie de la princesse. Et tu crois que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Tu as accompli tes deux missions, mais tu es revenu quand même. Pourquoi? Je ne te dois aucune explication. C'est vrai, sauf si on parle à Ike. On a tous un ou deux secrets dont on ne souhaite pas parler. Et tu n'y fais pas exception, Soren. J'ignore où tu veux en venir. Oh, je suis sûr que nous nous comprenons. L'armée se lève tôt demain. Je te propose d'aller nous coucher. L'ennemi savait que nous approchions. Et tu me soupçonnes de les avoir informés? Oui. Oh là là. Tu parles donc sérieusement? Bonne nuit, Soren. Oh oh! Un espion dans notre groupe? Qui sait?
Pour ce qui est du secret dont parle Nazir, c'est un truc qui normalement est très rapidement vu si vous faites le soutien, un soutien entre Ike et Soren. Je sais pas exactement quand est-ce que j'en parlerai, plutôt probablement à un moment, enfin quelconque, je sais pas. Mais il faudra en parler parce que, de manière générale, le jeu considère que c'est un secret que vous connaissez, vous, le joueur. Pas au début, pas au milieu, mais que vous finissez par apprendre, je sais pas à quel moment, peut-être chapitre 22 ou 23, donc... Je pense que quand on sera à un moment spécifique du jeu, j'en parlerai, histoire que ça soit pas juste en mode on n'en parle pas du tout. Mais ouais. Donc maintenant que nous avons réussi à capturer la muraille de Garen, nous allons pouvoir entrer enfin dans un 1, et apparemment il suffit de continuer de gagner, hein, c'est facile de gagner, hein. Après tout, si on gagne toutes nos batailles, on gagnera la guerre normalement, hein, peut-être, on espère. Mais je vous retrouverai la prochaine fois dans l'espoir que ça continue comme ça. Donc d'ici là, ciao !